Johan, jour de reprise, comment ça s'est passé? Cette journée était physique? Oui, c'est vrai qu'on a bien couru les 40 premières minutes. Donc ça montre déjà ce qui nous attend par la suite. Maintenant voilà, il faut bosser, hein. on est là pour ça, on reprend aujourd'hui, il faut avoir ce goût du travail, après on verra pour le reste. Alors, il y a beaucoup de choses qui changent. Un nouveau coach d'abord, Paul Le Guen, et puis un nouveau centre d'entraînement. Ça fait beaucoup d'une journée. Ça fait beaucoup. C'est vrai que moi j'ai eu la chance de le voir un peu plus tôt, mais de redécouvrir, je dirais un peu plus habillé, c'est vrai que ça fait plaisir. Maintenant on a un super outil de travail. Il faut prendre conscience que on a la chance de l'avoir. Maintenant il faut bosser, tout simplement. Il faut bosser. On a, comme tout le monde le sait, un objectif très important. Donc voilà, maintenant je pense qu'on a tous les ingrédients réunis, mais il n'y a plus qu'à. Alors quand je dis nouveau coach, c'est également nouveau staff, un nouvel entraîneur des gardiens. Voilà, comment s'est passé le contact avec ton nouveau coach presque attitré? Très très bien. C'est vrai qu'on n'a pas eu encore l'occasion de bien discuter parce qu'aujourd'hui on a fait du travail de course. Je pense qu'on aura l'occasion d'apprendre à se connaître dans les jours à venir. Mais très très bon contact, très bon premier contact. Et voilà, ça va se faire petit à petit. On l'évoquait il y a un instant, donc également un nouveau centre technique derrière nous. Magnifique pelouse. Ouais. Alors on prend ses marques également dans le vestiaire? Oui, on prend ses marques partout, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est un super outil de travail. À nous de faire en sorte que ça nous serve pour la suite.